Bonsoir, peuple. Alors déjà, on va commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez éventuellement le jeu? Qu'il y ait du son. Tout cas, moi ça va très bien. Je vous ai demandé comment ça allait. Je sais plus. On va dire que oui. Voilà. Yori, on m'entend bien. Cobra, faut démute le live, c'est mieux. Et un peu le maître de l'univers et tout. Hein, je suis Dieu, voilà, le seul, l'unique. Le meilleur, je ne dirais pas, mais moi je suis unique, le principal. Alors ce soir, on se retrouve sur du X1, hein, voilà, du XCOM. Alors, XCOM, pour ceux qui étaient là il y a longtemps, je l'avais déjà fait sur la chaîne, où bah, vous y êtes tous passés, hein, clairement. Hein, je crois qu'il ne devait plus rester grand monde de vivants. On se moque pas, Cookie, vilain. Du coup, donc, vu qu'on m'a l'air de bien m'entendre, tant mieux. Et je dis bien le bonsoir à Gull, à WorkPro, la petite cerise, à le Cookie et Anzaplast aussi. Et pour l'instant, je ne vois que vous. Alors, pour l'instant, je ne dis bonjour qu'à vous. Voilà. Donc, on va commencer XCOM. On parlera un peu du jeu au fur et à mesure, tout ça. Le stream est dégueulasse. Rageux! Quoi correspond le X de com? Le XCOM? C'est une bonne question, j'en ai aucune idée. Peut-être X comme classé X. Top secret of the Moomoot, peut-être, je sais pas. Donc nous allons jouer en normal, hein, vaut mieux, sinon je pense qu'on ne franchira pas le premier niveau. Dans les options. On va désactiver les dialogues des débutants pour pas entendre Miss Valen nous dire qu'il faut pas tuer des... Oui, bah voilà, c'est ce que je dis. De tuer les aliens à coups de grenade, sinon on pourra pas aller tout ça, tout ça. On va les voir aussi dans la deuxième vague. Donc on va activer les dégâts aléatoires. La fourchette des dégâts des armes est plus grande. Économie moderne. Les contributions de chaque membre du conseil sont déterminées aléatoires. Quand même, Cookie. On va activer aussi Nes Libre Ego. Ou Inego plutôt. Faut aussi apprendre à lire de temps en temps, c'est mieux. Les stats initiales des recrues sont déterminées aléatoires. On va activer aussi le potentiel insoupçonné. Ouh. Du coup, à chaque fois qu'ils prennent une promotion, les stats augmentent de façon aléatoire aussi. Entraînement aléatoire, on va l'activer aussi. L'arbre d'entraînement de chaque soldat est principalement généré de façon aléatoire. Oh, soldats CEM. CEM, c'est les soldats améliorés de type cyborg, voyez-vous. Exactement, full random. YOLO. Alors, vu qu'on va pas faire de recharge, une fois que vous êtes mort, donc ça on va pas activer, et on va cocher aussi angle de visée. Donc à chaque fois que je prendrai un ennemi sur son flanc, j'aurai un bonus de visée. Voilà, et on va lancer la partie. Donc on va pas activer l'initiation. En gros, on vire le tuto. Non, je le fais pas en Iron Man.
Mais ça sera tout comme. Alors oui, hein, je vous préviens, vous allez y passer aussi, vous aussi, hein, parce que je vais renommer tous mes soldats par vos pseudos. Bah tu prends ton téléphone, Cobra, hein, puis c'est tout, j'ai envie de dire. Alors c'est en anglais, je vous laisse lire et le traduire. Rageux! Bonjour, commandant. Bonsoir. Suite aux récentes incursions extraterrestres, ce Conseil de Nations a décidé d'avaliser la mise en place du projet XCOM. Cette initiative est C'est maintenant Monsieur entre vos mains. Nous comptons sur vous pour superviser notre première et dernière ligne de défense. L'avenir de la planète dépend en grande partie de vos efforts. Tâchez de ne pas l'oublier. Salut Johan, ça va? Bonne chance, commandant. Merci bien, monsieur Prop. C'est sympa de ta part. Alors... Oups. Ah, j'ai mis ce clic. On recommence. C'est très le misclicage. Vous n'avez absolument rien vu, hein. D'accord? Oui, bon, bah voilà, hein, et voilà. Donc, il va falloir choisir le lieu de la base. Donc, nous avons soit l'Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'il nous donne? Donc, bonus de continent. Domination aérienne. Réduit de 50% les coûts d'achat, de construction et d'entretien de tous les avions et de leurs armements. Ouais. Bonus. Alors, l'Europe. Expertise. Réduit de 50% les coûts de construction et d'entretien des laboratoires et des ateliers. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte? Exactement, Gull, tu m'as grillé. L'Asie réduit de 50% le coût de tous les projets de la fonderie et centres de formation. Amérique du Sud permet d'effectuer les autopsies et interrogatoires instantanément. Afrique, Techbot, augmente le financement mensuel d'XCOM de 30%. Mais qu'ils ont nonneux sur le chat. Exactement, on a mis le stagiaire à la place. Alors, vu que moi j'aime le fric, et ben on va aller sur bah, l'Afrique, toi, fric, fric, Afrique, c'est le mot.
Vous allez être déployé en Afrique du Sud. Tenez-vous prêt à partir au plus vite. On a intercepté une transmission locale signalant la présence d'extraterrestres dans une grande zone métropolitaine. Vous êtes sûr ? C'est pas des grippins ? Non, parce que bon, ils nous ont fait le coup une fois. Salut, le plaisir ! Comment ça va ? Hey, Shalta ! Fait longtemps, comment ça va aussi ? Strike One, ici Central. Vous avez la permission d'attaquer tout contact hostile dans la zone. Ne prenez aucun risque. À compter sur moi, hein, je vais prendre aucun risque. D'ailleurs, on retourne dans l'avion et on se barre. Alors, XCOM, qu'est-ce que c'est ? Hé, me direz-vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'en doute qu'il y ait des personnes qui ne connaissent pas, mais on ne sait jamais, hein, clairement. Alors, c'est un jeu. De type tactique tout par tour, donc je joue, les aliens jouent. Et nous avons en possession pour l'instant 4 soldats qui pour l'instant n'ont pas de classe, mais au fur et à mesure qu'ils vont prendre du grade, généralement dès la fin de cette première mission, il devrait y en avoir un ou deux qui devraient prendre du grade. Donc pour l'instant ce sont des soldats de type classique, voilà. Et comment ça se joue? Donc on va contrôler monsieur Gunnar Ogen, Gunnar, c'est pas une marque de lunettes, et on va lui dire d'aller par exemple ici. Donc un soldat, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut se déplacer dans la zone bleue comme vous... On va changer, tac, voilà. Donc vous pouvez voir, la première action c'est la zone bleue, la deuxième action c'est une zone jaune, jaune. Si un soldat se déplace dans la zone bleue, il peut soit se redéplacer, soit faire une action, qui plonge une grenade, ou tirer. S'il se déplace directement dans la zone jaune, pas facile à dire ça, il ne peut plus rien faire. Voilà. Ils ont en gros deux actions, soit il se déplace, il tire, soit il se déplace deux fois et il ne tire pas. Donc, on va retourner sur notre premier. Là, donc celui-là, on l'a fait un déplacement. Donc du coup, il peut soit se mettre en vigilance. Exactement, prenez les couleurs avec Monsieur Shadow. Voilà. Donc, je l'ai fait déplacer une fois, je lui ai utilisé une action, il en reste au final une. Qu'est-ce que je peux faire? Soit je le mets en vigilance, c'est-à-dire que si un alien passe dans son champ de vision, il va tirer. Soit je jette une grenade, bon, bah, je vous laisse deviner ce que fait une grenade. Et soit je le mets en position défensive, le plus utile sur les demi-couvertures qui lui permettent d'avoir au final une couverture entière. Comme par exemple là, le bouclier lui indique qu'il a une couverture entière. Donc si un ennemi se trouve, imaginons ici, et bah lui il sera à 99% protégé. Si en revanche il y a un ennemi ici, bah, vous doutez bien qu'il n'est pas protégé. Donc pour l'instant c'est le début, on peut avancer tranquillement, pépèrement. Johan, j'ai vu que c'était avec l'extension Emin Within. Est-ce que cela change beaucoup de choses par rapport au jeu de base? Alors oui et non. Alors oui, on va plutôt partir non. Non au début, ça reste une partie classique. En milieu de game, on va dire, on va pouvoir améliorer un peu plus férocement les soldats. Pour l'instant, ils sont pas classiques, on va pouvoir les transformer un peu en cyborg. On verra ça un peu plus tard dans le game. Et évidemment, ce que vous pouvez voir, les mêlées récupérables, c'est ce qui va permettre de les améliorer plus tard dans le jeu. Donc lui, hein, du coup, on l'a déplacé deux fois et il peut plus rien faire. Donc maintenant, en suivant, on va faire Vinogradov. Il va être probablement russe. On va le mettre là. On va le mettre là. Alors moi en règle générale j'aime bien faire des escouades type équitable. Lui on va le mettre là. Et lui on va le faire splinter là-bas. Chef.
Fais gaffe, la Les yeux sur la vipère. cible. Ah, voilà. Bon, ça, c'est les ennemis de base, des sectoïdes. Ils ont généralement deux attaques. Soit ils tirent avec le petit flingue, comme vous pouvez voir, et certains d'entre eux peuvent faire des attaques psychiques, booster un allié, ou voire même prendre le contrôle d'un allié. Il est fort en pétence. Salut Chrysler, comment ça va? Fais gaffe à ton portefeuille, hein. Alors, donc du coup, celui-ci, si on regarde comme ça, lui on peut voir qu'il a une visu sur les deux, mais il a 15% sur l'un et 42% sur l'autre, donc c'est de chance qu'il touche. Donc dans XCOM, avec 90% de chance de toucher, il vous reste toujours 10% de chance de pas toucher. Alors, je vous laisse imaginer que 15% c'est vous oublier totalement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer par exemple de s'approcher. Ici et là, on a 37% de chance de toucher. Alors pourquoi? Vous me direz-vous, on est pourtant proche, il pourrait quand même savoir viser le monsieur. Eh bien non, puisque l'ennemi il a un bouclier plein. Donc du coup, ça réduit grandement les chances de toucher. Donc au final, ce qu'on peut faire, c'est peut-être passer à un autre. Peut-être voir le collègue là-bas. Tu peux peut-être avoir une vue au loin. Comme pour ce moment, c'est un peu limite. Bah, c'est D'accord. là. Oui, Jolta. Voilà. Donc, là, on peut voir quoi? Que au maximum, il peut lui faire 4 points de dégâts. C'est bien parce qu'il a que 3 PV, mais il a que 50% de chance de toucher avec un 10% de critique. Si on est joueur, on tente. Ça touche. Un PV. C'est moche. Dans le doute, lui, on va encore attendre un peu. On va essayer de jouer avec lui. Voir ce qu'on peut faire. Se mettre là. Mais non, pas grenade, trop facile. Voilà, 47 chances. Et vu qu'on est joueur, on va tenter aussi. Je crois qu'ils se sont plantés de balles. Ils ont dû prendre les balles à blanc. Un truc en caoutchouc. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais. Ça roule. Ils ont dû se tromper, je crois, ou. Je sais pas. Voilà, moins un. Et du coup, il reste lui. Bon, allez, on va faire plaisir à Cookie. Grenade. Ok, tu veux être soit grenadier, soit sniper. Ok, c'est noté. Ah, il y a des renforts. Alors, quand vous voyez des véhicules qui flambent comme ça, bah voilà, ne restez pas à côté parce que sinon, boum. Et moins un. Yann, tu vas être commando. Ok. Ça marche. Alors, du coup, Clark, son petit nom, Ken. Kent. Gul, tu vas être Riti. Ça va être compliqué là, Gul. C'était du bon boulot, et voilà, et voilà. Commandant, nous pouvons Le commencer à talent, pas un étudier les mort, artefacts pas un immédiatement blessé, si vous le souhaitez. et 4 aliens de Mon tuer. équipe n'attend que vos. Le commandant Dieu, est que tout le demandé monde à s'aime. l'unité de recherche. Ça va être compliqué, Cobra, là. Bienvenue au QG Non, Cookie. d'XCOM, Moi, je commandant. dis que c'était le choix de la Je facilité. suis l'officier Bradford. J'ai deux rôles dans ce projet. Vous fournir un appui tactique lors des opérations et vous tenir informé de la situation. Mon travail devrait vous permettre de vous concentrer sur vos missions. À ce propos,
Un de nos soldats attend sa Oui, promotion dans la Johan. caserne. Vous devriez y aller. Chut, je parle. Bien. Pas besoin d'être désagréable comme ça. J'applaudis vos performances. Espérons que toutes les opérations se dérouleront aussi bien que celle-ci. Merci, Madame Valen. Nous avons trois promotions. Alors, on va commencer par lui. C'est le sapeur. Est-ce qu'il y avait des personnes qui m'ont dit qu'il voulait être sapeur? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être sapeur? Donc c'est le médecin. Hein. C'est... Passons de sa place, en fait, hein, clairement. Hein. Donc, bah, pour la peine, en sa place, tu seras celui-ci. Commando. Alors, commando, il me semble qu'il y avait quelqu'un. Je crois que c'était Johan. Si je me trompe pas. C'est Johan qui voulait être commando. Et bah, parfait. Et bah, tu serais une femme. C'est pas de bol, ça. Alors, le commando, en gros, c'est la bourrine. Hein. C'est celle qui est au shotgun et qui fait du corps à corps, hein, clairement. Ou qui a une... Enfin. Et on finit sur le grenadier. Et il me semble que c'était Cookie qui voulait être un grenadier. Je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et bah, du coup, grenadier, c'est le gros bourrin aussi. Hein. Grenade, lance-roquette. Total. Et voilà. Nous sommes en train de décharger les artefacts que vous avez récupérés. Mon équipe attend vos ordres, commandant. Nous sommes prêts à commencer. Alors à chaque fin de mission, on récupère bah, tout ce qui est cadavre, morceaux d'armes alien, et également tout ce qui peut être artefact, comme je vous ai montré tout à l'heure. La mêlée, par exemple, qui servira plus tard dans le jeu. Il a la même carrure que moi. Cookie fait un peu 7 ou 8 fois ta carrure, j'ai envie de dire, clairement. Alors XCOM, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas que du combat tour par tour, c'est aussi un peu de gestion de base. Donc la base se situe... On va commencer. Donc nous avons en premier le centre de contrôle. Alors je crois que je dois avoir un petit bug et il me semble que ça peut être la manette qui doit rentrer en collision avec le jeu. Collision, oui, en conflit. C'est assez embêtant. Faut le noter. Très beau comme ça. Turn around. Pardon. Donc le centre de contrôle c'est quoi? Ça va être la zone où on va chercher bah, toutes les missions en gros, hein, et dès qu'il y a des informations à nous dire, tout ça, tout ça. Est demandé à l'unité de recherche. On va aller voir l'unité de recherche, donc qui a Madame Valen. Bonjour, la commandant. Scientifique. Je suis le docteur Valen. Je gère l'unité de recherche. C'est là que tous les projets scientifiques d'XCOM se déroulent. Nous sommes en train d'analyser les artefacts obtenus lors de notre premier contact avec les extraterrestres. D'après nos résultats initiaux, nous pensons qu'il est possible de les adapter à l'équipement des soldats. Avec votre accord, nous commencerons le travail tout de suite. Oui, Cookie, enfin, j'ai mon OTAS et ma manette de brancher, donc je crois que c'est mon OTAS qui doit rentrer en conflit avec le jeu. C'est pas très grave en soi. Oui, il me semble qu'on peut changer le sexe du soldat, Johan, hein, il me semble, de mémoire. Donc, la salle de recherche, ça va être ici, on va chercher tout ce qui sera les armes, les armures, quoi donc, qui sera aussi, il me semble que les avions de chasse et tout ça, il me semble que c'est ici. Qu'on recherche la technologie, tout ce qui va être xénobiologie, études d'aliens et tout ça. Alors, on va faire de la xénobiologie, donc en gros, on va. Il faut 3 cadavres d'exclus, il va lui falloir 8 jours. On va faire ça. Oui, je pense aussi que ces recherches sont prioritaires. Nous allons commencer immédiatement. Je vous préviendrai dès qu'un rapport complet sera disponible. Merci bien. On va aller voir à l'ingénierie. Ah, commandant, j'attendais justement votre visite. Bienvenue dans l'ingénierie. Tout ce que les scientifiques peuvent imaginer, nous le créons ici. À ce propos, le docteur Valen nous a envoyé des schémas.
Avec votre accord, nous commencerons la production. L'ingénierie, c'est ici où on va créer toutes les armes. La recherche, on fait les études, on recherche. Oh tiens, on a découvert cette technologie. Et l'ingénierie, oh bah tenez, on va les fabriquer. Voilà, donc il y a production, on peut fabriquer par exemple les medikits et les satellites qui sera utile un peu plus tard. Pour l'instant, ça va pas être utile dans l'immédiat. Et on va crafter un peu de medikits qu'on a, je vous rappelle, un sapeur et un sapeur. Bah sans medikit, c'est pas un bon sapeur. Il y a également dans l'ingénierie tout ce qui est l'installation. Donc on va fabriquer les terminaux de liaison. Donc ça va être les satellites, je vous montrerai après à quoi ça sert. Les centres de formation, ça va être pour former les nouveaux soldats. Et on peut fabriquer également un générateur pour l'énergie. Donc thermique et générateur classique, ça c'est pour l'énergie. Hein. On va, moi je préfère commencer à creuser. Pour l'instant, on n'a pas besoin de s'en occuper dans l'immédiat. Toutes les zones, vous voyez écrit vapeur, ça va être pour les générateurs thermiques. Ça produira donc du coup plus d'énergie. Chose à savoir aussi, si imaginons je construis un terminal de liaison à côté d'un autre terminal de liaison, j'aurai un petit bonus. Donc le terminal de liaison, c'est pour les satellites. Hein, je vous verrai juste après. Voilà. En gros, et l'ascenseur, bah, bah, deviner, hein, c'est pour descendre ou monter. Il y a également du coup, la caserne. Donc ici on recense tous nos soldats, nos trois soldats gradés et tous nos nouvelles recrues. Le centre de formation, ça va être pour des facultés, donc par exemple avoir 5 soldats, 6 soldats, donc ça débloquera en fonction de. Là il faut un grade sergent, ici il faut un grade lieutenant. Voilà, après on a des bonus, on peut novice, ça nous permet d'avoir directement un gradé. Ça c'est pour les soins, etc. etc. Donc, ça se débloquera au fur et à mesure. Mémorial, bah, c'est là où les gens sont morts. Hein, voilà, oh. Voilà. Et recruter, c'est pour recruter de nouveaux soldats. Bah, forcément qu'il y en a des meurs. Et bah, il faut bien en recruter. Le hangar, ça sera pour les avions. en blague. On verra un peu plus tard, mais il y aura des moments où on y verra des soucoupes. Il va falloir les prendre en chasse. Et la seule façon de les stopper, bah, c'est avec des avions. On a fait à peu près. Et salle de séance, on peut pas y aller encore, mais ça sera ici. C'est la salle que vous voyez là. Si, on la verra après. Donc pour l'instant au début on peut pas faire grand chose, donc on va faire une surveillance d'activité. Donc comme vous pouvez voir, quand on fait ça, les jours passent et du coup vous voyez qu'en bas le temps passe. En fait, les amis, vous avez tous des bisous de la part de Fabi. On lui fera un bisou aussi. Donc là, événement signalé. Commandant, on reçoit plusieurs demandes d'assistance. Les tentatives d'enlèvement actuelles sont marquées sur l'hologlobe. Merci bien monsieur. Alors. Quand on trouve comme ça, à chaque fois en règle générale, on a toujours 3 sites d'enlèvement, du coup, du moins pour les enlèvements. Donc là, on a le choix. Alors, Seattle, États-Unis, panique pour les États-Unis de 1, difficulté de mission facile, et en récompense, on peut avoir 4 scientifiques. Les scientifiques, si je me trompe pas, c'est pour la recherche. Plus on a de scientifiques, plus les recherches sont moins longues. Donc, ça va être les ingénieurs pour bah, la forge, enfin, la fonderie, la. Pour la partie ingénierie, et on peut avoir des sous et des soldats aussi. En Égypte, le Caire, donc c'est une bon, modéré et on gagne 200$. Et Australie, Brisbane, facile et 4 ingénieurs. Je pense qu'au début, on peut peut-être passer sur des sous, c'est bien. Donc, du coup, on va aller en Égypte, on va aller voir les pharaons. Ensuite, on prépare nos soldats. Alors, commando. Normalement, on peut. Voilà. On va personnaliser. Alors, de mémoire. On peut changer le sexe. Match supply, comment on fait origine. On ne peut peut-être pas. Alors commando, c'était qui déjà? Je m'en souviens plus. Moi j'ai une mémoire de pinceau rouge, hein, donc voilà.
De mémoire, c'était Johan. Eh ben, Johan, voilà. Nom de famille, Johan, parce que sinon, le. Johan, voilà. Là. C'est buggy. C'est embêtant, ça. D'accord, c'est que c'est écrit à l'envers. C'est embêtant! Si, Johan, tu vas être une fille. Va mettre deux petits prénoms, San. Oui, il faut que j'écrive à l'envers. C'est vachement pratique. Il faut que je le réécrive parce que ça a bugué. Je vais y arriver, pas de panique les gens. Le jeu n'est pas gentil. Voilà. Voilà. Alors ensuite, français. Affirmatif. Bien, commandant. Ouais. On va choisir un visage. Oh, c'est bien ça, Johan. Ah ouais. Ouais, comme ça. On va faire une jolie coupe, Johan. Oh, parfait. Et je trouve que le rose te va ravir. Écho de l'armure. On va mettre celle-là. Et la couleur, on va mettre assorti à tes cheveux. Oh, parfait. Magnifique, magnifique. Voilà. Alors suivant. Alors ça c'est le grenadier. Donc ça va être Cookie. Notre famille. Faut que j'écrive à l'envers. Tac. Tac. Moi aussi je t'adore, Johan. Alors le cookie, on va lui mettre bien noir. C'est bien noir comme ça. Parfait. Affirmatif. Donc on va laisser comme ça. Ah ouais, comme ça. Ouais, comme ça. Comme ça, t'es. Voilà. Les cheveux, qu'est-ce qu'on va mettre? Oh ouais, t'es bien comme ça. L'écho de l'armure. Oh, celle-là, elle était bien. Ouais, parfait. Ouais. Tu veux rose? On va te mettre rose alors. En rouge. On peut pas mettre rose. Rose, il y a déjà Johan. Voilà. Et le dernier, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Il en manque un. Il est où? Sapeur, sapeur, on va le nommer. Tac. On va l'appeler Hansa. Hansa. Bon, je l'écris pas en entier, hein, je l'écrirai un autre jour en entier. C'est un peu compliqué là d'écrire à l'envers. Et Bien, commandant. Verstanden, commandant. Oh, on va le mettre allemand, tiens.
comme ça. Et on va le mettre de couleur. Quelle couleur on va le mettre? Tiens, jaune. Comme ça, on va bien le repérer. Ah, c'est bien comme ça. Tu sais, Alex, les clés pour Baltron que je pourrais avoir, mais t'en auras pas. Oh le vilain! Oh le chantage! Mais t'inquiète pas, Johan, ça peut toujours changer. Bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'armes, donc on va laisser ça comme ça. Puisqu'on a le sapeur, on lui met le medikit. Voilà. Et on va avoir ben, lui, le petit nouveau, et lui, on verra plus tard. Quoique, on verra plus tard. Une fois que c'est fait, on peut lancer la mission. Strike One, paré pour atterrissage. Bien reçu, on lance. On va vous déposer à la frontière égyptienne. L'activité extraterrestre continue d'augmenter dans plusieurs villes de grande taille. Il faut qu'on intervienne pour contrôler la panique. Bon, je compte sur vous, les gens. Tirez bien. Centrale, ici Rapace. L'équipe Strike s'apprête à atterrir. On attend vos ordres. Compris, Rapace. Je vous reçois 5 sur 5. Bien reçu, bien reçu. Un feu vert pour se déployer. Bien. Allez, on va peut-être pas faire avancer le médecin tout de suite. On va faire avancer le cookie d'abord. On va le mettre là. Mais regardez-les. Alors, pour l'instant, on va le laisser là. Lui, donc c'est le petit nouveau. Hein. Hop, on va l'envoyer là-bas. Objet alien en vue. Ah, objet alien. On parle de ça. Et nous avons un truc de mêlée ici. Donc ça veut dire que là, on a 5 tours pour aller le récupérer. Sinon, il est détruit. Voilà, ensuite Hanza, on va le mettre ici. Johan, le petit Johan, on va le mettre là. Enfin, la petite Johan en l'occurrence. On va le mettre en vigilance. On va laisser le tour passer. Les amis ont joué, pour l'instant ils ont pas été repérés. Alors, on s'en verra après. Lui, on va faire avancer ici. On va essayer de récupérer le truc de mêlée là-bas. Ensuite, le cookie. Cookie, on va le faire avancer là. Le Johan. On va le faire avancer ici, protégé par une porte de voiture. Et on va le faire avancer là. Le cookie, on va le faire avancer là. Et le Hanza, on va le faire sprinter là-bas. Et lui, on va le mettre en vigie. Par sécurité. Ça veut dire que les ennemis sont potentiellement par là-bas. Un autre truc de mêlée ici. Peut-être planqué là, là. Ou là. Mystère, mystère. Donc. On peut le faire avancer ici. Et on récupère. Et le petit. Tyril.
Alias. On va le faire sprint là, tiens. Mais non, tu vas pas mourir, Hamza. Ah. Tu vas peut-être mourir, Hamza. Avec ma GoPro, ce qui se voit à des kilomètres. Je pense que c'est moi qui vais claquer en premier. Mais non, Johan, t'inquiète pas, tu vas pas mourir. En l'occurrence, pour l'instant, tu sers pas à grand chose là, puisque tu ne vois absolument rien. Le cookie. Cookie, on va le faire avancer là. Plein d'avoir un visu sur, par précaution, on va te mettre en vigilance. Lui. Je vais faire avancer là. C'est qui ça? C'est Johan. Johan, on va le mettre comme ça. On va laisser jouer, laisser faire jouer les aliens. Et voilà. Ah, vu que celui-ci est en alien et que. En alien, oui. En vigilance et que l'alien a bougé, du coup, il lui a tiré dessus. Même si c'était. N'était pas son tour. Bon, par contre, vu qu'il vise comme un pied, ça va, les aliens sont aussi doués. Ça va. T'as de la chance, Anza. T'as de la chance. Elle a eu. Le cookie. 52% de chance. Alors soit je te mets là, soit je te mets là, et avec un peu de chance, je viens direct, sauf qu'il y a la voiture, donc il va falloir faire gaffe. On va te faire avancer ici. Ah, c'était pas une bonne idée. On va tous mourir. Un 62, 58, 52. Et voilà, GG Cookie. Notre petit Johan. Oh, le traître Grul. Alors, Johan, puisque t'es le commando, t'as une capacité spéciale qui permet en fait toi de sprinter jusqu'à dans la zone jaune et pouvoir quand même tirer. Non, pas de roquette, trop facile. On y va. Ah non. Ennemi repéré. Ah, j'ai eu un autre truc dans mon canal. C'est tout bégayé. C'est pas du jeu ça. Bon, Anza. Non, mais si les aliens aussi, hein, jouent complot contre moi, comment vous voulez que j'y arrive? Bon, ça pue beaucoup pour Johan. Alors, peut-être qu'avec un peu de chance, je peux essayer de sauver la mise à pas en fait. Peut-être essayer un truc. Non, tu lances pas assez loin. Je peux faire ça. Je vais au moins sauver la vie à Cookie. Et lui, on va le mettre là. Là,
la vie de Johan est sur les épaules d'Anza, qui ne s'est pas visé. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, et en plus il est buffé. Ça va, c'est que 2 PV. Ça va, il s'est pas visé. T'as de la chance, Johan. On se verra après. Petit Johan. On peut éliminer lui qui est là-bas. Est-ce que j'ai. On va pas assez loin. Non, pas précaution, on va te mettre là. Du people. Non, mais faut faire des dégâts les gens là. Hein? C'est bien de savoir viser, mais il faut savoir faire des dégâts aussi. C'est bien aussi des dégâts de temps en temps. On va essayer un truc. Et non, ça va pas passer. Bon, clairement, on est très mal barré là. Hein. Je vais pas vous mentir. Empêcher de se mettre là. Ah. Ah. Ça va, il dirait côté. Alors, 49 ici. Ouais, mais sauf qu'il a tellement de PV lui que... On tente ou on ne tente pas? Oh, lui, on tente. Anza. Voilà, c'est bien, GG. Alors lui, ah oui, lui c'est le nouveau en fait, j'ai confondu avec Anza tout à l'heure. Bien vu. Aveugle. Il me semble qu'ici il est pas protégé parce qu'il y a lui qui est en vue. On va le faire avancer là. Alors normalement tire le pire mon coup. Je fais sauter la voiture avec. Prends ça. Voilà. Ça c'est fait. Et le cookie. Le cookie. Le cookie. Le cookie il a 52% de chance de toucher. YOLO. J'ai besoin de munitions. Alors l'ennemi il est là. Il n'est pas là-bas, il est là. Là, là pas ennemi, là ennemi. Là pas ennemi. Il n'est pas très doué Cookie, hein. Vraiment. Je me fais attaquer. T'as de la chance les aliens non plus. Ah, décidément on rentre ça. Alors, Anza, tu vas t'auto-soigner. Ensuite, Johan. On va essayer de dégommer lui. Si on dégomme celui qui est là, ça va tuer celui-ci. Donc connecté. Celui-ci. De faire avancer là. En vigilance. Toi, on va te mettre là. De loin. Il y a deux solutions, c'est pas assez loin. Soit je me tape un sprint là, j'essaye. Non. Trop risqué. On va le faire à l'ancienne.
tant pis. Ensuite, bon, bah toi t'as plus de mission, donc on va recharger. On y va. C'est ça, buff ton pote, c'est parfait. Prochain tour, je t'atomise. Ah. Il est doué l'alien, hein. Voilà, la vigilance parfaite. Sauf qu'il s'est pas tiré, donc bah, pas parfaite du tout en fait. Ah bah non, Cookie, panique pas. Gull, j'ai besoin de toi. On a un soldat qui part en vrille. Euh, 20% de chance. Oui, bien sûr. Okay. Allez là. C'est toi. Direct. Mettre là. Ça va faire mal. Et voilà. Et toi, vas-y, cette compétence là. Et on va te mettre là. Bye bye. Oh non. Johan, qu'est-ce que t'as fait? Qu'as-tu osé faire? D'accord. Ils veulent nous prendre par le flanc. Ça va piquer, ça va. Une petite blessure, c'est rien. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Je veux pas savoir, je veux pas savoir. Bon alors, du coup, Johan, tu répares tes bêtises. J'avance. Et tu le dégommes. Voilà. J'ai besoin de munitions. Bon. Oh, il est pas mort. C'est embêtant ça. Du coup. Par précaution. J'ai plus rien à tirer. Suicidaire? Mais non, pas suicidaire. Confiance en mes hommes, nuance. On va le mettre là. Bon, vu l'équipe de bras cassés que j'ai. Tu vas me dire que la roquette est embêtant. Et... Et oui, oui. Tant pis, on va le mettre là. Ah, et on va le mettre en vigilance comme ça s'il bouge. Ah. Ripion. Oh non, j'ai pas fait gaffe. En avant le massacre. Ah, tu l'as dit, Jean-Claude. Non mais sérieux, franchement, c'est quoi cette blague là, où les soldats ils font pas de dégâts? Ah, ça va se faire au millimètre près. Mission accomplie.
Et ben voilà, bon, on n'a qu'un mort, c'est pas grave. Ah, il y a un promu. Un sniper. Bon bah rip Johan, hein, écoute, c'est pas grave. Pour un frère jumeau, pas gênant. Alors j'ai cliqué un peu trop vite. Donc on a gagné 200 crédits. Commandant, vous pouvez désormais décerner à nos soldats les médailles que vous estimerez adaptées à leurs exploits. Pour ce faire, rendez-vous à la caserne. Les membres du conseil vont tous vouloir une couverture satellite. On a intérêt à bien réfléchir avant de les déployer. Gull en snipe. Bah, Gull sera le snipe alors. Alors, les satellites, puisqu'on en parle. Normalement, je peux en lancer un. Ça me donne un de base. C'est ça. Alors, les satellites servent à quoi? De une. À réduire grandement l'état de panique. On peut l'Australie et les États-Unis sont en panique du niveau 3. Donc si je lance par exemple, voilà, on va lancer bah, par exemple aux États-Unis et ça donne un bonus. Donc si on lance un satellite, on gagne un scientifique et un ingénieur par mois. Donc, dès qu'on finit un mois, on va gagner ça, deux satellites, tout ça, trois satellites, tout ça. Et à la fin, on gagne domination aérienne. Je vous reçois. Trop ce qui On c'est va le petit surveiller ce bonus qu'on contact, mais voyait je ne au crois pas que ça tout aidera pour début de avec les partie. extraterrestres. On va lancer un là-bas, comme ça. Lancer. Les terminaux de liaison satellite ont atteint leur capacité maximale. De nouveaux terminaux sont nécessaires. Donc du coup, j'ai lancé tous les satellites que j'avais. On avait un au Nigeria et un aux États-Unis. Du coup, il va falloir que j'en recommande et également que j'aille dans ingénierie, installation. On fera ça plus tard, hein, c'est pas très grave, on verra plus tard. Faudra que je mette deux terminaux de liaison comme celle-ci. On va les mettre côte à côte, c'est mieux. Oui, vous avez compris, oh là là, c'est pareil. Satellite, vu qu'on a plein de sous, on Commandant, crafter un. on n'a plus un seul terminal de Oui, c'est liaison pas grave ça, disponible. Maurice. Il faudrait qu'on en construise d'autres sans tarder pour déployer de nouveaux satellites. Alors, on va aller en caserne, liste des soldats, sniper, personnalisé, prénom, c'est à l'envers, j'avais oublié. Gull, voilà, pas comme ça. Tac. Rien de doute. Évêque, voilà. Tac. Alors langue. Alors, nous avons le français, l'allemand, l'italien, le polonais, le russe, l'espagnol, l'anglais, le français. Y'a pas belge. Ah, y'a pas belge. Polonais. Oh, on va me faire un gul polonais. Salut Mingrip, comment ça va? La voix. Oh, c'est marrant ça. Origine. Il est polonais. Voilà, comme ça. La tête. Ouais, comme ça. Mettre un peu de poil au visage. Ouais, comme ça. Parfait. Parfait. On va mettre une armure un peu légère quand même. Ouais, celle-ci. Et on va le mettre de couleur. On va le mettre vert. De quoi? Qu'est-ce qu'il écrit? Fais un perso qui s'appelle Krillin. Comme ça, tu es sûr que, que c'est lui qui meurt. On en fera un, t'inquiète pas.
J'ai dit vert. Je crois que j'ai dépassé le vert. Non, vert. Tiens, vert pelouse. C'est parfait, ça. Voilà, nickel. Dans l'équipement, bon, bah, on laisse de base. Aptitude, sniper. Tac, tac. Voilà. On va faire un personnage qui s'appelle Krillin. Tiens. Et on va faire lui. Hop. Non. Fermé. N. C'est de L. Tiens, Krillin. Ah. Krillin, on va le mettre. On va le mettre anglais, tiens. La tête. C'est assez ronde. Tiens, c'est assez rond, ça. Cheveux, on va le faire chauve. Eh bah parfait. Ah. Et on va le faire de couleur orange. Voilà, parfait. Mais si, je t'aime bien, Johan, t'inquiète pas. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, bon, on peut retourner là. Et donc, du coup, il reste 4 jours pour la recherche. Ok. Excavation terminée. Commandant, on reçoit une transmission Oula. du conseil. Je Ok. l'affiche tout de suite. Alors, Australie, on apprend à l'instant qu'un représentant de l'ONU et ses associés ont été attaqués par des extraterrestres. Si ce représentant finit tué ou capturé, hein, pas de bol, cela sèmerait la panique et réduirait l'efficacité d'XCOM. Nous avons besoin d'une de vos escouades pour escorter la cible jusqu'au point d'extraction. 146 délais, réduction de machin, employé, commando-sergent. Et ben voilà! J'ai trouvé ton remplaçant, Yon. Excellent. Nous avons hâte de voir vos progrès. Alors, nous avons Gull, nous avons Krillin, et nous avons de nouveau, puisque les deux autres sont blessés, ils sont à l'infirmerie, ils sont avec l'infirmière. Il va falloir attendre. Du coup, on n'a pas de soins, donc on va modifier. On va voir les équipements. Non, c'est pas du tout là. C'est pas du tout là. C'est là. Non, c'est pas là non plus. GG. Ah oui. Rééquipement. Voilà, on va faire ça. Là, moi, ça me permettra ici, dans équipement, de récupérer le medikit. Voilà. Vous vous souviendrez, c'est le médecin. Oui, ça sera vert, c'est tout. Nous avons le site en visuel, on descend. Pas totalement. On a reçu plusieurs appels Bon, de en fait, détresse venant top à tour, d'Australie. soldat, top à Faites tour. vos bagages. Ah ouais, on part en vacances? Ah non, c'est pas ça, d'accord. Qu'est-ce que t'as pas compris, Johan? C'est pas faux. Un officier de l'ONU nommé Peter Van Dorn et son entourage ont été pris dans une explosion qui a détruit un pont. Et on a C'est repéré des moche. ennemis convergents vers Comment cette il va le pont? position. Vous devez confirmer que Monsieur Van Dorn est vivant et le ramener avant que les extraterrestres rappliquent. Nouvel objectif reçu. Hé! Venez voir par ici! Maurice, il est là. Alors, Krillin, c'est le premier qui va gagner. On va l'envoyer en front. Ah. Faire passer directement là. Vous venez chercher Van Dorn, c'est ça? Il est parti par Oui. là pour trouver un de nos gars qui a été pris dans l'explosion quand ces enfoirés ont fait sauter le pont. Nous, on peut pas se les faire. Mais vous, essayez de le trouver. Pendant ce temps, on conduira les blessés à votre avion. Bien reçu. Je Alors suis Maurice, parti. tu vas aller là. Elle est là. Wood, ouh, Wood. Shannon Wood. Ouh, je dis pas pour Je vais rester en dans la vie, toi. position. Et le sniper, il reste en retrait. Ah oui, alors le sniper, un peu différent parce que lui, quand il fait une action, il peut, enfin, il peut soit tirer, il y a des ennemis,
soit se mettre en position défensive, enfin, comme tous les autres, sauf que pour se mettre en vigilance, lui ne peut utiliser que le pistolet. Ah, et il peut se mettre. Voilà. Là, c'est le tour des aliens. Ah, mais nous sommes machiavéliques, nous allons conquérir le monde. Voilà. Alors, pensez à réutiliser le snipe. Voilà. Alors, Ray. J'y vais tout de suite. Patrick. Ennemi repéré. Ah, les allumettes. Ennemi assez pénible. Je bouge. Tac, lui on va le mettre en petit. De toute façon il a aucune. Là, là, au flingue. Tac, lui. On va le mettre là. 40% de chance. Ça se tente. Bingo. Alors les allumettes quand meurt et quand il meurt, comme vous pouvez voir, laisse de la sorte de fumée toxique. Et si on passe dedans, vous perdez un point de vie plutôt, je crois. Un truc du genre. Alors, reste lui à déplacer là. Oups, je me suis trompé. C'est pas grave. C'est tout ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Peut-être parce que. Il a pas de couverture. Tant pis, on va le faire sprint ici. Wood, on va le faire là. Et on va le mettre en vie. Alex, tu pourrais communiquer pour le test cette nuit. Cette nuit, le TeamSpeak change de serveur. Donc pour le coup, exceptionnellement, l'adresse du test ne sera pas ts.ori.fr, mais ori.fr. Le temps que le nom de domaine ts.ori.fr change le lieu de l'adresse, tout ça, tout ça. Donc si vous souhaitez venir sur le TS Ori, il va falloir utiliser l'adresse ori.fr et le mot de passe, c'est toujours le même, ori en majuscule. Voilà, voilà. Il a combien en ce moment XCOM? C'est une bonne question, j'ai pas regardé, mais il est souvent en promo. Il doit pas être très très cher, je pense. Peut-être le trouver pour moins de 10€ sur des sites de clés, je pense. Bah, c'est la voix qui part en vrille. Je t'avoue que là, je ne sais pas. Voilà, comme dit Gull, changement temporaire hein, pour l'adresse du TeamSpeak. Alors, je suis à qui là, le snipe? Non, le snipe il va rester ici et je vais le mettre en vigilance. Krillin, hein, comme on a dit, c'est le soldat suicidaire. Vous êtes l'équipe d'intervention? Par ici. Non, non, nous avons un c'est objectif. Le pape. On se balade juste comme ça. On se dit, oh tiens, il n'y a plus de lumière ici. On est ici. Voilà, tac, on y va tout doucement. Alors, elle, allez, print. Venez. Donc, vous allez pas me laisser ma cible, seul, elle est là. Potentiellement des ennemis ici ou même planqués derrière là. Alors, le snipe, il ne bouge pas, lui. Vertu. Il y en a une qui est là déjà. Il y a son pote qui est là, donc lui aussi on peut le faire avancer là. Ennemi, ici. 66% de chance. Ça se tente. 6, critique. Ouais, le XCOM 2 est oui, un tarif. Et le 1, je sais pas.
J'avoue, je ne sais point. Donc, toi, je vais t'envoyer là. Je vais te mettre en vigie. Tout simplement pourquoi? Parce que lui, enfin elle plutôt, je vais l'envoyer en bas. C'est Ça lui parti. fera une protection. Tac. J'ai des ennemis. Ennemis repérés. Ça fait plaisir de vous voir. Je m'en suis C'est ce que sorti, je disais. mais certains de mes hommes n'ont En pas eu deux. cette chance. Filons d'ici avant que ces monstres débarquent. Commandant, vous devriez conduire le VIP au Mercure le plus vite possible. Je ne sais pas qui vous envoie, mais c'est la première fois que je vois un équipement pareil. Objectif mis à jour. Et ça, il y a un moment, le 2. Bon, il y a peut-être un an, pas plus, je dirais. Je sais pas. Je sais pas. J'avoue. Le snipe. Tu sers un peu à rien, le snipe là. Bon, de toute façon, il faut pas trop te bouger. Alors, l'extension Enemy Within. Est à 25 euros. Ok, je ne sais pas qu'il était encore aussi cher, dis donc. Il reste que lui. Pour l'instant, je vais le laisser là, le foutre en sécure. L'instant, j'ai deux soldats qui sont en vigie. Lui, on le voit plus. Il est passé de, probablement derrière là. L'alien là, il vit comme à pied. Pourtant, ça va. On a de la chance. Le problème, je pourrais essayer de le faire bouger, peut-être le faire venir genre là ou même là. Parce que lui, il est peut-être en vigie là-haut. Non, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Ça va. Au début, c'est pas très très grave ce genre d'action. Allez, entre nous, que t'es killé. Voilà! Je l'ai plombé. Si on s'en sort vivant, j'espère que j'aurai l'occasion de faire payer ces enfoirés Ton d'extraterrestres. langage, quand même. Pas parce qu'on vient de sauver la vie que tu peux te permettre des langages comme ça, voyons. Alors, vu qu'on a éliminé les zombies. Enfin, les zombies. Bon, on sait qu'il n'y a pas de vigilance derrière, on peut le faire sprinter jusqu'ici. Toute façon, il est couvert par le snipe ici. Voilà. On va le faire revenir ici. Je savais que tu étais un agent secret à la solde de PlayStation, Gull. Ah, et ah, là je les mets en vigilance parce que protection Attention, totale Strike auprès One. de lui. Une vague d'ennemis approche de votre position. Une vague de type ouragan ou de type tu vas manger ce verre? Ah non, c'est bon, c'est pas tiré. Allumette. Ouf. Ah. Adieu. Voilà. C'est ce qui s'appelle J'espère que nos combats ont achevé. Si seulement j'avais pu les sauver. une extermination d'aliens totale. Les deux là, ils ont pas de vision. J'ai envie d'éliminer l'alien qui est à l'arrière là. 38. Voilà. Celui-ci, on va le faire revenir. Là, en protection. Et toi, bah tu restes en vigilance. Saison 3 de Quantico. En fait, c'est avec Gull en personnage principal.
Toi, tu vas recharger. Strike One, force ennemie en approche. Tenez-vous prêt. Ah, une allumette. Merci Yassira tout pour le follow. Désolé si j'ai écorché ton pseudo. Alors, le snipe a une compétence particulière. Donc c'est celle-ci, le tir à la tête inflige un maximum de 5 points de dégâts, augmente les chances de critique. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur un tir normal, il tire 61% mais il n'a que 25% de critique. Quand tu fais un tir à la tête, alors parfois ça réduit la précision, pas là, en l'occurrence, mais augmente de grandement les coups critiques. Vu qu'on est joueur, on va lui faire un tir en pleine tête. Voilà. Et pour être sûr de... Voilà, vous voyez, de bien l'achever comme il faut. Pour lui dire, toi, tu vis plus. Voilà, ensuite, Murray. Je me suis à Murray, pardon. On va le faire sprint là. Ça me plaît pas trop le frais sprint dessus. Bon, on va le mettre là. Vous êtes arrivé juste à temps. Je crois que je m'en serais pas sorti sans vous. Alors, Maurice, va te faire sprint ici. Mettre en protection. Alors, Sugul te fait jouer en dernier. Tac. Moi qui ai biglé. Ah oui, je l'ai un peu mis sur le côté là. Puis on va être là. J'y vais tout de suite. On va te mettre là, en vigilance. Toi, j'aimerais te rattraper ton retard. On va te mettre là. Peter Van Dorn. Van Dorn. On va te faire sprint là, tiens. Et presque à la sortie. Et monsieur évêque, tu vas rester en vigilance. Ok. Alors est-ce que monsieur Van... Je vais y arriver. Van Dorf, tu peux sprint. Oui. Hop, extraction. Je vous dois une fière chandelle. Et voilà. Sans vous... Pas mort. Je crois qu'il y a peut-être un blessé. Ou deux. Je sais plus. Mais pas un mort. Et bien visé Gull, hein. Très bon sniper. Merci Jonathan 4637 pour le follow. Ouh, 3 level up. Enfin 3 promotions, je vais y arriver. Alors, il y a Krilla qui level up, qui devient grenadier. Patrick Murray qui devient grenadier et Wood qui devient commando. Johan, veux-tu redevenir une femme ou pas? Et voilà, pause de fête. Alors, récompense de médaille de combat urbain. On va regarder ça, les médailles juste après. Vu qu'on a réussi, on a gagné 146$, crédits, euros. Et réduction de panique pour je ne sais plus quel pays et on gagne un commando. N'oubliez pas, nous vous observons. D'accord Yon, on promis, prochain commando masculin il est pour toi. Alors ingénierie, caserne, truc caserne. Médaille, alors les médailles ça donne des bonus particuliers. Par exemple la médaille de combat urbain. Renommer la médaille, voilà, non, tu l'attribuer. Alors, l'attribuer. Alors, soit donne plus 5 défensif, soit donne plus 5 contre les ennemis complètement à couvert. Euh,
Alors moi je vais mettre ceci. Ça va être très bien pour tout ce qui sera éventuellement le snipe. Ou on va ouais, non. On le renommera plus tard. Je vais essayer de corriger le petit bug que j'ai sur l'écriture. Alors, sur ce type de médaille, soit l'unité ne panique jamais lorsque ses gens sont blessés ou tués, soit les médikits et brouillards réparateurs rendent 2 PV. Ça va être parfait pour les sapeurs. Je vais prendre ça plutôt. Et je renommerai plus tard. Ensuite, on va décerner la médaille. Alors, sauf que j'ai pas regardé laquelle que c'était. Alors celle-là, je vais la décerner à Gull. Gull, voici ta première médaille. Fabi Cross, je la renommerai plus tard, Shelta. J'ai un petit souci où je dois tout écrire à l'envers. Ça va pas être pratique. Je vais corriger ça à la fin du live. Bon, avant le prochain live. Et le deuxième, je vais le donner à. C'est pas du tout ça. À Hansa. Médaille du défenseur. Décerné. Hansa Plaplast. Hansa. Où est-ce qu'il est, Hansa? Il est là, Hansa, deux médaillés. Garde à vous. J'ai fait pareil que le monsieur, mais vous ne voyez pas. Après, il me reste une autre médaille. Je vais la garder pour plus tard, on sait jamais. On verra. Liste des soldats. Chalta, Cobra, qui c'est qui j'ai d'autres? Qui c'est bon? Est-ce que vous voulez être grenadier? Est-ce que vous voulez être commando? Vous voulez être autre chose plus tard? Dites-le moi. Le temps qu'on fasse Je ne comprends toujours pas ce que les pas ça. extraterrestres sont venus faire ici. Est-ce pour nous étudier? Mais ils semblent enlever leurs victimes au Ok, hasard. Gull. Ça Il doit marche. y avoir. Donc, on va faire une petite surveillance et voilà. Vous voulez qu'on risque la vie de nos hommes pour capturer une de ces créatures vivantes? Oui, sans spécimen vivant, j'ai bien peur que mon équipe ait déjà atteint les limites de ce qu'elle peut accomplir. Et comment on est censé faire ça, docteur? L'autopsie que je viens de terminer confirme que les extraterrestres ont une physiologie semblable à la nôtre. Un courant électrique concentré et administré de près devrait causer une incapacité neuromusculaire en perturbant le... De près? Et qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Vous pensez vraiment que ça en vaut la peine? Bien sûr. Nous ne connaissons pas notre ennemi. Comment peut-on combattre quelque chose qu'on ne comprend pas? Si nous Et bonne capturons question. l'une de ces créatures, nous pourrons peut-être communiquer avec elles. Et l'interroger. On peut prendre un café aussi. Apprendre ce qu'ils veulent et où se trouve leur base. Oui, cette perspective Un vaut KitKat qui veut bien tous aussi, les non? risques. Donc, j'ai plus quoi. Je On peux peut venir. Ah, construire elle est là, une à la enceinte base. sécurisée pour détenir le captif, mais je ne sais pas comment nous pourrions communiquer avec lui. Aucun problème, je m'en Avec la chargerai. bouche. D'accord, j'en parlerai au commandant. Le commandant, il dit pourquoi pas. Donc nouvelle recherche terminée. Faire une nouvelle recherche. Voilà. Donc suite à la recherche, qu'est-ce qu'on a débloqué? On a débloqué, enfin, qu'on a débloqué. On va pouvoir construire une enceinte de confinement pour pouvoir étudier les terrestres, étudier l'électroflux, ce qui va nous permettre de capturer les aliens. Ensuite, on pourra les fabriquer, on va capturer un alien et après les interroger. Je vous fais cadeau de tout le pavé, hein, voilà. Pour ceux qui veulent le lire, vous le direz. Voilà, et une nouvelle installation disponible, l'enceinte de confinement. Alors, priorité, ça on va attendre un peu. Moi j'aimerais bien d'abord améliorer les armes. Cette technologie a un bon nombre d'applications potentielles.
Mon équipe va se faire un plaisir de travailler là-dessus. Oh, Shelta, quand même. Je vous tiendrai au courant de nos progrès. Alors pour l'instant, dès les productions, on peut faire que ça. Alors on va aller voir les installations. On va construire un ascenseur d'ailleurs, qu'à faire. Et on va y construire ici. Maximum qui manque 10 ingénieurs. Et de mémoire. Je sais plus comment on fait. On va peut-être construire un générateur. Comme ça, ça sera fait. Et on va faire ça aussi, tant qu'à faire, comme ça. Quoique non. Maintenant, on va attendre. Oui, les allumettes, c'est l'autopsie des allumettes. C'est les aliens fins comme, bah, comme une allumette, en fait. Que tu as vu tout à l'heure, qui, quand ils mouraient, ils s'explosaient et ça faisait de la poussière. Ça s'appelle des allumettes. Alors, du coup, j'ai pas vu. Du coup, bah, on va repartir en mission. À moins que le patron veuille passer maintenant. Pierre pourra toujours. Ah, voilà. Comme tout à l'heure, je vous le disais, il peut y avoir des soucoupes. Bah, voilà. On a détecté un ovni, donc là, il va falloir le prendre en chasse. On va envoyer. Pour l'instant, on a ces deux avions là. Vers l'infini et l'au-delà. On a repéré l'ennemi. Alors là, je peux pas faire grand chose, hein. C'est automatique. C'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Là, si c'est automatique. Donc on l'a battu, donc maintenant qu'on l'a battu, il va falloir prendre sur place. Centrale, ici Vaudou 3-7. La cible 0-0-1 a été abattue. C'était comme petit vaisseau, hein. Je vous fermez pas, les gars. L'OVNI a été abattu. Vous me recevez ? À vous. Bien reçu, Vaudou 3-7. Bien joué. Terminé. Bon, écoutez, recentrez le satellite de reconnaissance Bravo sur le site du crash. Il s'apprête à passer au-dessus, monsieur. Ça y est, c'est bon. Grossissez. Il est intact. Commandant, je recommande d'envoyer une équipe d'assaut immédiatement. J'ai lui comme préquel, il était tout bof. Je le connais pas celui-là, Shelda. En même temps, j'ai fait que celui-ci. Et un peu le 2, mais vite fait. Pas un très grand connaisseur des Sirix comme. De la Sirix comme en général. Ah oui, alors ça là c'est le commando qu'on a gagné de la mission précédente tac, et qui est directement sergent. Donc ça c'est la compétence de base qui vous permettait de faire courir deux tours et tirer ensuite. Donc caporal, on a le choix entre deux compétences. Soit mitraillage, les tirs standards avec l'arme principale ne mettent plus fin au tour. Il s'agit de la première action de l'unité. Ça, ça permet de tirer au final deux fois ou de tirer et de se déplacer. Agression, chance de concrétiser. J'ai 10% par ennemi en vue. 30% maximum. Alors je préfère celle-là, ça permet de donner deux tirs. Bien. Sergent en position stratégique, visée plus 10, défense plus 10 contre les ennemis en contrebas en plus de des bonus de hauteur habituels ou proximité. Le premier tir standard effectué dans un rayon de 4 cases autour de team ne coûte aucune action. Un combattant qui puis oh, c'est cela, plus tard, c'est après là. Non, c'est ça. Les deux, c'est bien. Ça c'est bien si vous êtes en surplomb, mais ça c'est bien si vous êtes proche. Et vu qu'il a un shotgun, je dirais celui-ci. Shelta, tu sors. Loin. Non, je suis très loin. Bah tiens, pour la peine, tu vois Shelta. Bah tu seras elle. Voilà, t'apprendras.
Voilà, alors. Ça va être le moment de joie où il faut écrire à l'envers. HS. Voilà. Tac. Alors. Affirmatif, affirmatif. Affirmatif. Très bien. Origine. Belle tête de vainqueur. Ah ouais. Ah. Tiens, on va te mettre en mode Kaïra. Ce sera par. Oups. Ah! J'ai Monsieur Gourux. Modifié. Ça va, ça sauvegarde. Et ils sont sympas le jeu. Couleur des cheveux. On le voit pas donc. Ah si, on voit les sourcils. Les sourcils. Voilà, comme ça c'est parfait. Déco d'armure. On va faire le truc bien bourrin et la couleur Shalta. Shalta, quelle couleur Shalta? Shalta. Pas rose. Pas jaune. Oh ouais, comme ça t'es stylé. Je valide. Donc nous avons Shalta en commando. Nous avons toujours Gulévec en grenadier. Krillin. On va garder Krillin. Voilà. Et voyons voir ce qu'on a. D'autres de dispo. On va prendre un Bambi. On va prendre. Tiens, celui-ci. Rex, top. Le patron est là. Le patron n'est pas encore là. Moi, je ne vois pas de patron encore. Si le patron est là. Introduire le sondage. Bon, quand même, moi, je fais pas ça comme ça. Alors, puisqu'il faut que j'introduise le sondage, on va l'introduire. Nous sommes. Nous nous posons une question. Salut. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. J'étais sur le point d'introduire le sondage, mais. Ah, ok. Bah alors, mais vu que t'es là, notre opinion, notre point de vue, notre questionnement, etc. On est un peu au courant de ce qu'on se demande. Alors, j'explique. Du coup, je sais pas si t'entends bien. Est-ce que je parle comme ça? Non, juste pour en voir si on entend bien le patron ou pas. J'ai coupé le son du jeu au cas où. J'ai pas fait mes tests avec des sons TS, du coup je sais pas si on entend bien. Donc par précaution, que quelqu'un peut me dire si on entend bien le patron ou pas. On entend bien, c'est bon, tu peux continuer. Donc je disais, le week-end dernier, donc on a fait une superbe IRL où tu étais là, Alex. Tout à fait. Tu as bien aimé l'IRL? Absolument pas. Non, je déconne. Il fait des blagues. Ça y est, il a pris la confiance. Bon, du coup, pendant ce week-end-là, on a pas mal discuté sur, entre nous sur en fait, ce qui était mieux entre TeamSpeak et Discord. Parce qu'en ce moment, il y a Discord qui commence à prendre quand même pas mal d'ampleur, surtout dans le monde du jeu vidéo, pour ce qui est communication aussi bien orale qu'écrite. On n'arrivait pas à déterminer en fait, lequel des deux logiciels était le plus pertinent, le plus utile, le plus complet, le plus adapté à notre multigaming et au développement de notre communauté. Et du coup, on a créé un sondage où vous pourrez donner votre avis et dire, selon vous, quels sont les, qu'est-ce que vous préférez déjà en termes de logiciel, lequel vous trouvez le plus adapté à une communauté telle qu'une multigaming. Laissez des petites descriptions, des petits commentaires pour nous aider à comprendre votre choix. Et donc voilà. Je vais mettre le lien dans le chat. Ça prend pas longtemps, ça prend genre 30 secondes à 2 minutes. Hein. Ça dépend de la taille des commentaires que vous allez laisser. Et du coup, ça nous aidera beaucoup à nous faire une idée duquel des deux logiciels on devrait garder ou prendre, si on doit rester sur TeamSpeak ou si on doit évoluer vers Discord. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas déjà répondu, bien sûr, parce que je sais que déjà un bon nombre de personnes ont répondu. Et je les remercie. Et tu as quelque chose à ajouter, Alex? Absolument pas.
Vous avez tout dit, mon cher patron. Est-ce que toi, tu as une préférence? Moi, je m'en contrefous. Ah bah ça, c'est un mec qui est impliqué dans le jeu. Voilà. Moi, je prends ce qu'on me donne. Ça marche. Bon, bah voilà, j'ai passé mon message. Et du coup, Alex, je te laisse jouer et je te dis bonne continuation sur ton live. Merci bien, patron. J'espère que tu arriveras à supporter le chat, parce que franchement, ils sont insupportables. Mais t'as vu ça? Et c'est dur à gérer, hein. Et non, je sais pas comment faire. On les adore. Oui, égal. Allez, à plus tout le monde. À plus, patron. Alors, nous remettons le son. Et voilà. Bravo l'implication. Bah, on me demande mon avis. Moi que ce soit Discord ou TS, tant que ça permet de communiquer, moi ça va. Oui, et en mode fufu, j'étais en train de faire le perso de Cobra. D'ailleurs, on va le faire allemand. Le télégraphe, on n'y a pas pensé ça, Chalta. Voilà. Comme ça, c'est bien. Comme ça. Alors, je sais plus. Normalement, on peut faire pivoter le personnage. Non. Les pigeons voyageurs. J'aimerais bien. Non, on peut pas tourner le personnage. C'est bien dommage. Et j'aimerais bien voir. Oh non, quelle horreur. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Le logo en bas, le bouton gauche et à droite. Avec what? Salut Apolloc. Tiens, on va te mettre comme ça, Cobra. Voilà. Non, il y a couleur de peau, couleur de cheveux. Comme ça, c'est bien. Et pas mal du tout, ça. On va faire comme ça, voilà. Je crois que la couleur du drapeau n'a pas changé également. On peut pas? D'accord. Comment ça va, Apolloc? Ouais, moi je valide comme ça, Cobra. T'es pas trop mal. Sauf que on va libérer et modifier équipement. Voilà, on va te mettre les medikits. Voilà. Et je pense qu'on est bien. Ah si, Krillin, tu m'avais dit une armure de type Crisis. Je sais plus. Qu'est-ce que t'entends? Genre comme ça? Je pense que c'est celle-là que tu parles. Et en lent. Bon, c'est un allemand qui est pas très grand.
Déployez-vous, Strike One. Écoutez, vous allez être déposé en plein cœur du Nigeria pour la mission suivante. Apparemment, l'OVNI s'est écrasé dans une zone urbaine densément peuplée. Espérons qu'il n'y ait pas eu de victimes. Oui, on se perd. Ici Rapace, on est juste au nord du site du crash. Strike One est en position pour attaquer. Bien reçu, Rapace. On va surveiller les signaux d'ici. Strike One a la permission d'attaquer le vaisseau extraterrestre. Alors, Wakbo. Wakpetla. Krillin. On appelle Krillin, hein, c'est le suicideur de la bande, hein, qui sera toujours devant. Monsieur Gulevec, alors est-ce qu'il serait bien, c'est que je trouve un point en hauteur et surtout à l'abri. On va te mettre là en attendant. Voilà, et il reste qui? Et Shalta. J'ai fait un perso à Shalta? Ah oui, je t'ai fait un perso à Shalta. D'accord. On s'en dit déjà plus. Voilà. Hop, MVJ. J. La cerise vaincra. Ennemi en vue. Ah. Oh oh. Non mais les gars, quand même. Pour l'instant, la cerise a vainc pas grand chose. Hein. Toi, la cerise vaincue là. Shalta, voilà. 22. Autant dire, voilà. La cerise des kills, c'est un peu ça là. Rock Pro, Rock Pro, on va te mettre là. On va mettre en vigie. Monsieur Évêque. Pour l'instant, reste là. Et toi, tu essaies de tourner. Pas dans ce sens là, tout elle est là. Ah bah voilà, c'est qui lui? C'est Shalta, non? C'est Wargo, mais bien joué Wargo. Bon Shalta, tu vises comme un manche. Hein. Ça va pas ça. Allez. Voilà, Monsieur Évêque, elle est là. On s'en est resté au petit flingue. Et Monsieur Workbro, on va te mettre là. Ah, 67%. Et vas-y, je crois en toi. Ouf. GG, Monsieur Workbro. T'as pas pris les bonnes lunettes. Voilà, Gull, tu restes ici. Krillin, elle est là. J. Shalta, j'aimerais bien que tu essaies de récupérer. Y a un truc ici, je crois. Il semblait qu'il y avait un truc ici. Un truc. Je sais pas. Ah, maintenant le vaisseau il est là, d'accord. Les lunettes de WC, ça marche pas aussi bien que les lunettes de vue. Non, Shalta. Quelle idée aussi. Alors. Je rejoins la position. Lycanthrope en plus. Un loup. De type garou. NBV, go.
Voilà. Tac, vous allez foncer en binôme. Tac, Krillin. Normalement, il me semble que d'ici, je peux quand même récupérer. Ou pas. Tant pis. Le recharger. Bien vu, Yapo. Merci. Tiens, on va recharger. On est tranquille pour l'instant. Monsieur évêque. C'est un peu pénible hein, parce que. Mais là, ça peut être risqué. Allez, je te mets quand même là-haut. Mais t'es pas toute seule. T'es pas tout seul, Cobra. Y'a Shalta avec toi. Bon, qui est a priori vise aussi bien qu'une taupe sans yeux, mais. Hop, toi te mets un vigie, du coup on l'a pas eu. Dommage. Okay. Krillin, en avant. Ah, il y a de quoi, hein, il y a de quoi, hein, Cobra. Il y a de quoi. Et ça là, et ça c'est Shalta. Hein. Shalta, tu peux avancer jusqu'à où toi? Pas avancer. Bon, Shalta, du coup. Bah bravo, Gull. Honteux. Vous avez entendu? Avance là. Ah, j'avais une vue ici. Tant pis. Je vais te mettre en vigie. Donc je sais qu'il y a un alien ici. Je vais te laisser là comme ça. Toi, je vais juste te faire changer de position. Là. Quand même. 40% de chance. C'est qui? Cobra, je crois en toi. Je croyais en toi. Qu'un peu de chance. Si oui. Je vais te mettre là. L'ordinateur de vol des extraterrestres devrait être très utile pour nos recherches. Tâchez de le rapporter à la base en un seul morceau. Ah, et on va te mettre en vigilance. Si ça bouge. Pan. À côté. Qui c'est qui a osé tirer à côté? J'espère que c'est pas le gars avec le shotgun. Ça va piquer. Ça va. Fallait pas croire à la série. Allez, vas-y, Gull. Montre. Bon. Ça va. Je suis. Bon, j'ai tiré avec le flingue, j'aurais dû tirer avec le snipe. Mais c'est pas grave puisqu'il l'a quand même éliminé. Il restait qu'un PV. C'est pas très grave. Toi, je te mets là. Non, t'as pas besoin de soins, ça peut attendre. À toi, vigilance. Et toi, je te mets là. Vigilance. Alors il a le flingue tout simplement parce que sinon je ne peux pas le mettre en vigilance quand il a fait un déplacement. Et en fait quand j'ai tiré j'ai oublié qu'il avait le flingue et du coup j'ai tiré avec le flingue. Voilà. Mais sinon il a le sniper mais il se déplace pas.
Ça c'est qui? C'est Krillin. Quand vous n'oubliez pas, Krillin, hein, le gars qui part devant pour se faire tuer. Work bro. Donc on appelle là. Et vigilance. Ouais, mais son... Gull, quand tu lui dis un truc, hein, ben il le fait pas. Il te met un truc, tu lui dis 21h, 21h30, lui il te met 21h, tu vois. Il écoute pas, il écoute pas, il fait qu'à sa tête. Ah, les ennemis sont là-bas. Oula. Le mec. Mon Chalta, tu vises toujours aussi bien. Gull, pour un sniper, t'es nul. Voilà, allez, élimine-moi. Bien joué, Gull. Puissance, nice sniper. Allez, Cobra, je crois en toi. Qui tire pas droit, chef. Attends, toi avec ton shotgun, tu vas pas aller loin. Il reste qui en ennemi là? Le cobra, il a visé à côté. L'histoire de sa vie. Non, c'était 3. Vu qu'on a éliminé un. L'autre, je sais pas où il est. Alors, est-ce qu'on peut tenter un truc de type. Ça touche là ou ça touche pas, à votre avis? Ça touchera jamais. Ok. Tente un truc. Mettre là. Pas de visu. J. Et Chalta, J. Et moi, de base, je suis. Non. Quand on est tordu, chef. Et justement, Cobra. T'es le petit tour, t'as pas de grade encore. Et ben voilà. Quand tu veux, Chalta. Suffit de mettre les bonnes lunettes. Ah, une victoire de canard. Donc on a tué les 5 aliens, on a perdu le géant. Hélas, on a récupéré aucun truc comme ça. Bon, c'est pas grave. Ben voilà. Bon, bah t'es devenu grenadier. Tu seras pas sniper pour le coup. Et que l'évêque, promotion, caporal. Caporal. Alors tu as le choix entre deux compétences. Soit tir éclair, supprime les restrictions de tir et vigilance du fusil de précision après un déplacement. Pénalité de visée de moins 10%, de moins 10 pour tous les tirs. Ou vision commune permet de tirer sur les cibles se trouvant dans le champ de vision de n'importe quel allié, mais ces cibles ne peuvent être victimes d'un coup critique qu'en cas de tir en pleine tête. Tirer clair, c'est bien, mais l'autre c'est bien parce que tu peux mettre le sniper assez loin au final et avoir quand même une vue sur l'ennemi, quel que soit où. Tes collègues. Donc les deux, c'est bien. Gull, si tu es là, je te laisse choisir. Donc soit comme tu le sens, commandant. Non mais moi ça m'aide pas parce que les deux, tu vois, les deux c'est bien. Les deux, alors, tu vois. Mais du coup, je fais quoi? Vision commune. Gull a dit vision commune. Je dis vision commune. Alors. Voilà. Tac.
Voilà, donc on a récupéré plein de matos, tout ça, tout ça. Les médailles sont disponibles à la caserne, commandant, si vous pensez que certains de vos soldats en méritent. Médaille. Quelle donc? C'est toujours la même, on s'en fout. Ouais, les nerfs me manquaient. On dirait un vieux jouet, ton. C'est de la mousse? Probablement, ouais. Du coup, pour l'instant, on n'en peut rien faire. Là, c'est toujours en cours de recherche. Du coup, bah. On... Couverture satellite déployée sur les États-Unis. Ascenseur opérationnel. Dans installation. Donc, on a fini l'ascenseur. Donc, on va pouvoir commencer à creuser ici. Là, on pourra creuser qu'après. On va continuer la surveillance. Ah, nous avons fini la construction du générateur, comme ça plus d'énergie. Non, pas production, installation. Qu'est-ce qu'on doit bloquer? Oui, c'est vrai. L'enceinte, on va la mettre tout au fond là-bas et on va construire ça. Voilà. Ça sera fait. Et en attendant que ça finisse ici. Un terminal de liaison, est-ce qu'on peut? Non, pas encore assez. Du coup, on va continuer la surveillance. Commandant, on suit plusieurs tentatives d'enlèvement sur l'Hologlobe. J'ai enregistré les coordonnées. Bien reçu, mon lieutenant Trucmuche. Alors, soit on a l'Inde, difficulté difficile, on gagne 4 ingénieurs. Soit Argentine, cœur de bas, facile, on gagne un commando. On a déjà beaucoup de commandos, donc pas très utile. Et l'Afrique du Sud, modéré. Soit l'Inde, soit l'Afrique du Sud. 4 ingénieurs, c'est bien. Mais 200 dollars, c'est mieux. Enfin, c'est bien aussi. Cobra dit Inde, parce que c'est difficile. Bon, bah. Alors du coup, Monsieur Warburg, tu ne peux pas garder le medikit. Tac, Gulevec, Krillin et Chalta. Alors j'aimerais bien ne pas garder tout le temps les mêmes. On va. Je voudrais garder quand même mon sniper. J'ai déjà un grenadier, donc Krillin il dégage. Et Shalta, je vais te garder. On va prendre lui. Ah ouais, ouais. J'ai qui là? J'ai Hansa. Ouais, on va quand même prendre un nouveau. Il ressemble à rien. Oui, ça change pas beaucoup de la réalité. Prénom. Fermé. Tac. Voilà, on va appeler Fabi. On va le mettre russe. Faire au pif. Là. Là. Et on va le mettre de coup au blanc. Parfait. Ça sera notre sapeur de remplacement. Avec Mehdi. Est arrivé. Cette fois, la zone d'opération se trouve en Inde. Les forces de l'ordre locales ont signalé une attaque d'extraterrestres sur un quartier à forte densité de population. Heureux, Cookie. Non, Cookie, tu n'es pas mort. Pour l'instant, il n'y a que Johan de mort. On peut faire des persos de 90 ans, Bobby. Je sais pas, je ne crois pas.
Dans le 2, le système de personnalisation des soldats est beaucoup plus élevé que dans le 1. Que dans le 1. Répondez, QG. L'équipe Strike a atteint la ZEDO. Demandons autorisation de se déployer. Bien reçu, Rapace. Strike One a la permission d'attaquer. Alors, nous avons qui? Gullivec. Non, Gullivec, tu ne vas pas en premier. Fabi. Fabi devant. Des pigeons. Rourou. Work pro. Chalta. Putain, on va être. Être là. Tu es avec, on va être là. Allez. Tu es italien. Je crois que t'es polonais. T'es italien. Je sais plus. Je sais plus ce que t'es, Cobra. Mais du people là. Ils sont invités à la fête. Oh joli. Qui c'est lui déjà? C'est ça. Cobra, mais t'es chaud, Cobra, dis donc. Ah, non, Cobra, t'es français, mais je crois que tu parles italien. Pourcent de chance. Ça se tente. Bon, bah, c'est Fabi en même temps, on peut pas trop compter sur. Voilà. Hein. Allez, vas-y, Gull. Montre-nous ce que c'est un sniper. Voilà, bien joué. Je veux mon sniper normal. Bah non. Faut que t'attendes de mourir, Cobra. Et quand tu seras mort, tu pourras choisir un sniper. Alors, 40% à 26%. On se tente. Voilà. C'est bien, Shalta, c'est bien. Tac. A plus, Johan, bonne nuit. Stravisme. On dit comment pour une escouade là, tu m'étonnes. Gull, tu vas rester ici. Très bien là. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû te mettre en vigilance maintenant. J'aurais dû attendre. Si ça se trouve, t'aurais peut-être pu avoir un visu après. Ok. D'accord. Tac, et voilà. Commandant, il serait préférable d'essayer de récupérer ces conteneurs au lieu de les détruire. Eh oh, ça va l'autre. On fait ce qu'on veut. Comment ça, il part en retraite? Non. Il va aller s'en occuper. Vas-y. Quand tu veux. Ah voilà. Bon, tu démolis un peu la statue, la fontaine quand même. Le conteneur, je sais pas, Cobra, j'ai pas fait attention. Je crois que c'est après que lui est tiré. Et lui, c'est. Et c'est Shalta. Je crois que c'est Shalta qui a détruit le. Fallait pas. Y'a pas choix. Que je te mets après. D'accord. Là. Contact. Ah.
Ouf. Et Gull, il est chaud là. Un peu trop chaud d'ailleurs. Du coup, il vise pas très bien. Ah, Shalta, si t'arrives à bien. Alors, ce qu'on peut tenter, on va tenter un truc. Avec un peu de chance, ça fait exploser la voiture et du coup on élimine les deux. Ne vous inquiétez pas, tout est calculé. Boum. Il reste à côté. Oui. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que si lui reste là-bas, la voiture elle explose, ça bute les deux. T'as de la chance, Shalta, il s'est pas visé le gars. Alors, moi j'attends des applaudissements là. Non, vraiment pas. Alors, on verra plus tard. Edo. Ah, merci. Bestätige. Genau das haben wir gesucht. Tac, Shalta, lui. J'y vais tout de suite. Ennemi repéré. Ah bah dis donc, Shalta, tu repères tous les ennemis. Hein. Allez, Gull. 33, 53. Allez. Ah, ça, généralement, c'est que c'est dans le 1000. La famille de vision chez les soldats est autant problématique que le strabisme. On va te laisser en vigie, toi. Ah, bon bah voilà. Ah mince, je n'ai plus de balles à recharger. Vous noterez quand même que Gull n'a pas bougé d'un poil. Il te fait tous les kills. Hein. Je vais te mettre là. Ah. Ça c'est qui Cobra? Je vais te faire sprint ici. Ah. Et ah, t'aurais une meilleure couverture. 71%. Allez, je crois en toi, Shalta. Bingo. Une autre opération réussie avec brio. 1 sur 2. Shalta en a détruit. Non, bravo. Voilà, pas un mort, pas un. Le talent. Le talent. Ok, c'est le début. Mais le talent quand même. Oh, Shalta! Alors, Shalta, si tu es encore là, je te laisse choisir soit double grenade, donc ça te permet d'emporter deux grenades, ou gâchette rapide te permet de tirer deux fois successivement sur une même cible. Chaque tir est affecté par un bonus de 15 pour la viser. Shalta, tu sors. Point, attends. Plus de voir. Mais tu réponds avant parce qu'il faut choisir. Soit deux grenades, soit le fait de pouvoir tirer deux fois de suite sur le même ennemi. C'est toi qui vois, voilà. Double grenade, gâchette rapide. Gâchette rapide, gâchette rapide. Et c'est bon, c'est validé. Major. Oh, une nouvelle médaille. Médaille du défenseur. On a gagné pas mal de trucs. Nouvelle station disponible. L'atelier. L'atelier, c'est pour gagner des ingénieurs, il me semble. Je vais dire souvent. Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Alors, tiens, on va y mettre un qui sera là. On va attendre un peu avant de construire le reste. Médaille. C'est quoi 2000
machin. Et en plus, on n'a pas de stabber, donc ça sert à rien. La métaille. On va la donner à Cobra, parce qu'elle a quand même sacrément bien visé. Et il mérite sa médaille. Voilà, voilà. Ça c'est fait. Je pense que pour l'instant, on peut continuer. Ah, on a fini le projet. Scope. Ça c'est pour le sniper. Pour fabriquer le scope. Ça augmente la visée. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Alors ça c'est pour... on verra plus tard. On verra plus tard. Navigation, ça on s'en fout. Dans ma rayon, ça pourrait être intéressant. Matériaux aliens, ça peut être les armures aussi. Par contre, on va faire je ça, je pense. Que vous donneriez la priorité à ce projet, commandant. Je vais tout de suite commencer les préparatifs. Voilà. Ça te va mieux comme ça, Cobra? Alors, ingénierie, production. On va fabriquer un scope qu'on va donner à... Ah, un caserne, liste soldat, Québec, équipement, et on le met à la place de la grenade et un scope. Voilà. Dans recherche. D'accord. Qu'est-ce que ça dit? Il a encore pas gagné. Et je continue, je vais te mettre de la moustache rose. Alors attention. Excavation terminée. Enceinte de confinement opérationnelle. On va pouvoir. Alors, production. On peut pas, hein. Faut que je fasse la recherche pour pouvoir fabriquer. Pour pouvoir excaver ici. On verra après pour ajouter des. On verra plus tard. Okay. On va mettre la dernière ascenseur. Comme ça, ça sera fait. On va creuser ici. Normalement, la fin des mois devrait arriver dans pas longtemps. On devrait gagner des sous dans 10 jours. Ça. Ah. Bon, ça c'est fini. Ah, Jillian Nanosphere. Parfait. Carapace. Recommencer. Vectoïde. Nous avons fait des découvertes très intéressantes en autopsiant le spécimen que vous avez ramené. L'équipe de recherche lui a donné le nom de sectoïde, en raison de la structure inhabituelle de ses organes internes qui semble être le résultat de manipulations génétiques. Comme nous l'avons vu sur le terrain, cette espèce a également exhibé des signes de pouvoir télépathique. Embêtant. Allez, on la recherche. Commandant, nos satellites sont parés au lancement. On okay. est prêt à les déployer à votre signal. Opérationnel. Ok, tard. Excavation terminée. Réception d'une transmission. Nous sommes vraiment impressionnés par les progrès du merci, projet merci. XCOM, commandant. Donc du coup, à chaque fin de mois, on a un petit rapport. Les attentes du conseil. Et ce n'est pas une chose qui arrive souvent. Oui, tout à fait. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en Argentine et en Afrique du Sud, la panique est de niveau 3. Alors, soit envoyer des satellites, soit essayer de trouver des missions pour en réduire. Là, donc du coup, c'est un récapitulatif de ce qu'on a fait. Donc, on a fait une mission du Conseil en Russie, on a battu un vaisseau, on a stoppé deux enlèvements, lancé
un satellite et on a fini trois projets et on a pillé un vaisseau. Du coup, on a gagné 383 dollars, tout ce que vous voulez, et un scientifique et deux ingénieurs. Donc ça, on a gagné ça parce qu'on a le petit bonus, un satellite. Si et on gagnerait des bonus. L'appareil. N'oubliez pas, nous vous observons. Oui. Moi aussi, je vous observe. Nos ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. On va fabriquer un autre truc de liaison. Ça permettra de lancer d'autres satellites. Et en plus, puisqu'il est à côté déjà d'un autre terminal de liaison, j'aurai un petit bonus. Pas besoin de crafter autre chose. D'après ce que j'ai vu de leur technologie, si les extraterrestres voulaient vraiment conquérir la Terre, nous ne pourrions pas faire grand chose pour les arrêter. Ils doivent avoir autre chose derrière la tête. Oui. Alors, on va relancer une mission. Tiens. Ah, bon bah c'est fini. Nouvelle recherche. On va pouvoir fabriquer satellite, acquisition de satellite de visée, c'est pour quand on envoie un avion, un petit bout là-dessus. Je laisse lire tranquillement ça, on vous aura le temps. Donc quand on active ce module, ça permet d'augmenter la précision. Et donc... du coup, on va lancer. Être encore un peu long. On va lancer ça. Nous appelons ce spécimen de grande taille l'allumette. D'après nos premiers examens, les extraterrestres auraient considérablement modifié sa structure génétique afin de lui donner une apparence humaine. Cependant, on remarque assez rapidement qu'il semble avoir eu du mal à altérer ses yeux, qui ont toujours un aspect reptilien. Maximum 2, on a leur véritable apparence. Commandant, on a un autre contact. La signature est un peu plus grosse cette fois. Allez, on va à Raven 2. Cible en vue. On se fait un petit peu défoncer là. Nice. Donc, au cas où, si la zone bouge un peu trop par là, je peux annuler. Ça évitera de perdre l'avion. Si je le laisse, il sera détruit et du coup il récupère. Il n'y a pas une manière de voir un modèle des aliens. Hélas, je ne crois pas, du moins peut-être pas en jeu, ou moi j'ai pas souvenir. Peut-être en essayant de zoomer, on va essayer de voir tout à l'heure si on peut pas zoomer sur un alien. Donc tu peux aller voir éventuellement sur Google, on verra mieux, on peut bien aller voir pas mal de screens de chaque alien. Alors, on va garder Cobra. Des bons éléments, Shalta, je vais te virer, voilà, ça t'apprendra. On va garder Fabius qui est à nouveau et on va un autre prendre lui. Un multi, tu peux les jouer. Un multi, ouais, si tu peux. Attendez, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un sniper, un grenadier, un que je ne connais pas, donc le soin. Écoutez. Qui c'est qu'il n'y a pas de personnage encore? Il me semble qu'il en a un. Écoute,
recruter, bah lui ça va être pour pas ça. Le plaisir. Tu es encore là, encore là. Je vais te faire foncer. Elles sont stylées ces armures là. Ah ouais, comme ça. Comme ça. Ouais, comme ça. Fort stylé comme ça. Voilà, voilà, voilà. Et Ruby. Tête. Tant pis, on va laisser comme ça. Et on va lancer la mission. Ah bah c'est fin à Shalta. Le vaisseau est arrivé. Écoutez, vous allez être déposé en plein cœur du Nigeria pour la mission suivante. Non Cobra, on n'est pas sur Discord là, ça marche comme ça, on dans pas une ça. Zone peu peuplée. S'il y a des civils dans le coin, j'espère qu'ils garderont leur distance. Tout à fait d'accord avec toi monsieur. Non, c'est pas grave, on leur tira dessus, hein. Pas dramatique non plus. Centrale, ici Rapace. Aucun contact hostile à proximité du site du crash. Strike One est prêt à sécuriser. Bah, j'espère. Bien reçu, Rapace. Allez-y, Strike One. Essayez de vous approcher. Ce n'est qu'une hypothèse. Ah. D'après son profil, je dirais que les aliens ont conçu cette unité afin de chasser et d'isoler des cibles uniques. Elle semble aussi disposer d'un système d'esquive sophistiqué. Ces créatures sont très pénibles. Voilà le plaisir de mettre. De te mettre ici. Ah, et monsieur évêque, tu vas rester ici, planté là devant. Autour des aliens. Alors ces aliens là sont un peu pénibles parce que comme vous pouvez voir ils sont invisibles et ont tendance à attaquer au corps à corps. En plus ils sont résistants. Et en plus Gulli s'est pas visé. Plus Fabi. Voilà le plaisir, tu vas aider Baby, voilà. Mec, on va préférer culte. Allez, Cobra, achève-le. Restons en G. Baby aussi. Devrait pas tarder. À l'abri. À l'abri là-bas. C'est un peu ça, Shalta, oui. Quark Bro. Quark Bro, on va être là. J et le plaisir. On va te mettre là. Voilà. Tous en vigilance, il y en a qui pote son bout de sonnet. Cric. Et voilà. Vous êtes 4. Il n'y a pas un seul qui a touché.
Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire de vous? Vous n'avez vraiment pas visé. Ben voilà, quand vous voulez, vous pouvez. Bon, Jules, c'est l'heure de la vengeance. Pour s'en tirer. Voilà, voilà, voilà. 44% de chance. Vas-y. Oh. Vas-y. Bah. Ah. Bon. On charge, t'as pas le choix. C'est pas bon ça. C'est pas bon. J'y vais tout de suite. Tant pis. C'est pas beaucoup mieux. On peut tenter une grenade. Alors là, faut bien viser. Mais non, ça sera pas jamais. Bon, on tente le tout pour le tout. Il a visé l'arme. Ça va, il s'en va. Il est là. Silence. Fabi, elle est là. D'abord une. Faites en vigilance aussi. Work bro. Tu vas te mettre. On va te mettre là. Vigilance aussi. Le plaisir, tu te rapproches, tu te mets là, charge. Je suis prêt. L'arbre est mort. Une grande menace, ça. La plus grande menace c'était l'arbre. Monsieur l'évêque, on verra après. Moi, je vais te mettre là. Work bro, bro, on va te mettre là. Et j'ai mis ce clic. C'est pas là que je voulais. Bon, c'est pas grave. Et Gulevec, on va être le seul. Il est mort, je confirme. Ça va. Jules, 10 ans après. La cible est morte, ça va aller. Alors du coup, on va avancer. Baby maintenant. Mark Bro est là. Vivement Noël. le plaisir. Rechargement. Cul évêque, je vais te faire avancer. C'est qui? Cobra, Cobra, on va te mettre là. Ensuite, le plaisir. Je vais te faire sprint. J'aime pas trop ça, mais bon. Pas trop le choix. Paris. J'ai vu de sentir l'odeur du pain d'épices. Pain chaud. Dans le nord avec des bougies et le sapin. Écoute. La neige, les nuits. Là, c'est clair que moi la neige, ça me manque. Oui, que je n'ai pas vu. Alors, je raconte. Mais... Fabi.
idiot. Là. En vigilance. Je pense qu'après cette mission, on va couper là. Après, hein, à la fin, bien sûr, profiter de la mission, c'est comme tous les alliés, on fait les promotions, et après, on coupe. Vas-y, copain, mets-toi là. J'ai pas regardé ce qu'il y avait de l'autre côté là-bas. Ah, bah là, c'est d'accord, c'est le vaisseau en fait. Bon, par contre, en fait, c'est qu'il y a Jean-Claude avec ses tentacules derrière nous. Tu peux pas en vivance. Et Fabi, tu te rapproches, tu te mets là. La PlayStation 1 est passée pour une nouvelle famille. Monsieur Mignon. Pourquoi j'ai déplacé Gull? Fallait pas? Bah tant pis. Comme il est vilain, Cookie. Ouais, Cobra, il dit un truc super gentil et tout. Ah là là. Moi, je dis, il a dû laisser aller, hein, ce chat. Et on va te mettre là. Et au prochain tour, tu repasses au snap. Non, t'avances pas tout de suite. Toi pareil. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Feind in Sicht. Oula. Oh, mais le plaisir. Mais j'ai une équipe de bras cassés en fait. C'est quoi ces soldats soi-disant d'élite là? Oh. T'y crois vraiment, toi, avec ton flingue, hein? Alors, tac. Je me remue. Chance. Quoi? 63. Achève-le-moi. Cel nie został trafiony. Mais en fait, ils ont été chercher où? À la fin de leurs études ou des bleus en fait qui m'ont donné? Non mais franchement, ils savent pas viser? Même moi, je vise mieux, je suis sûr. Pour dire que il est vraiment bas le niveau. Je vois sur le terrain. Et oui, le plaisir, t'es sur le terrain. Bon, par contre, il faut. Précision de tir, on repassera. Hein. Le truc qui me motiverait plus que jamais à faire une IRL en hiver, c'est qu'il y ait neige, être au chaud dans la maison, faire du ping-pong, tout ça. Élimine lui qui est dans le fond là, lance une roquette, ça va vite le calmer. Moi je vous le dis. Et c'est qu'un lance-roquette. C'est work bro, work bro. Ah, t'es trop loin. C'est trop court. J'aimerais bien qu'il ait une visite sur l'autre au bout là-bas. Il va tenter un truc risqué. Il faut que. Est-ce que. Vise. Tire. Élimine. Faut faire tout le boulot soi-même. Franchement.
Pitié. Pitié. Fais-moi pas pitié. Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Hier? Non, il booste. Oula. Je sais plus qui c'est qui est là. Je crois que c'est le plaisir. Ah. Ça va, t'es résistant le plaisir. Ah. J'ai plus de quoi. Bon, cet alien m'a gonflé. Au revoir. C'est ça, Shelta, en fait. Ils sont complètement aveugles. Ils ont pas d'yeux. Je vois qu'ils ont oublié à la naissance. Voilà. Bon, bah, le plaisir. Bon. Toi, tu vas taper un putain de sprint. Vas-y. Soigner. Gars, très bon stream. La soirée. Mais de rien, mon cher Cobra. C'est fait plaisir à entendre. Alors lui, il va rester là. Et bah, c'est tout. Dans... Alors Fabi va soigner le plaisir. Work bro, je fais avancer maintenant. Je peux. J'y lance ça et le plaisir. Pareil, je vais te faire avancer. Ah mince, t'as vu qu'il fallait recharger. On va recharger, c'est pas grave. Et monsieur Gulevec, eh ben, tu te mets toujours en vigilance. Dans le jeu Peva, il reste encore un alien hein, qui est derrière nous par là-bas là. Qui risque de nous prendre sur le flanc. Hein. Pas d'oublier celui-ci. Hein. Alors hop, Fabi va retourner ici. Vigi. Cobra on va attendre un peu. Passons à Vigi. Le plaisir. Premier. On va se mettre là. Et Cobra là en vigie aussi. Sauf si la contact. Bon. Ensuite le Fabi, un petit sprint ici. J'avance. On va le mettre là. Monsieur Gulevec, il va. Fabi. Cobra. Ce qui protégeait là. On va le mettre là. Même s'il y a une entrée, là, c'est pas très grave. Activity. Ils sont un peu plus longs. Il peut rester en arrière. Attends, Fabi. On a un petit sprint jusqu'à là-bas. Cobra, il va aller là. Prochain tour, la porte. Tourne. Plaisir. Danse. Y a personne. Vraiment personne. Papy, il va aller ici.
Что там за звук? Dès qu'il faut. Pas gênant ça. Qui est le plaisir. À mon avis, il doit être dans la salle là. Quelque part par là. Pas trop les séparer. On va les laisser là. Là. Bendran. Ah, ouais. À la porte. En personne. J. Mec, il reste toujours un bilan. Baby. Elle est là. Kobara, qui peut aller là-bas? Non. Bête. Pas... Tant pis, on va prendre un sprint, pas chaud. Ah, et Queens. Être là. Tac. J'ai ici. Tour d'après, on ouvre la porte. Ouais, oh, il doit être là, là. Donc, Vogel, il va quand même rester en vigilance. Quand même une compétence. Le plaisir, il va rester aussi en vigilance. Et, ça va être Cobra qui va ouvrir la danse. Le petit four. Ok. Objectif, voilà. Mission accomplie. GG Cobra. Je crois que c'est... Oui, c'est Cobra. Pas mort. Finalement, on l'avait abattu l'autre. Hein. On l'avait tué, mais... Mais non. Mais non, mais non, mais non. Ou trois promotions. Où moi, c'est par Gul. Gul, es-tu encore là ou pas? Et oui. Fais signe, sinon fais pas, bah, je dirai à ta place. Sergent, monsieur Gulevec, alors soit tu vas par défense plus 5 par ennemi en vue, plus 20 maximum, ou expert du combat rapproché déclenche un tir réflexe contre tout ennemi se rapprochant dans un rayon de 4 cases, vigilance non requise. Oui, alors, soit tu gagnes plus de, 5 de défense par ennemi en vue qu'un maximum de 20, ou alors tu as une vigilance gratuite si l'ennemi est dans. De 4 cases autour de toi. Moi j'opterai pour la deuxième expert du combat rapproché. Ça te permet de. Dans de bonnes situations de sécurisation. Ça dépend. En général, je te laisse en distance. Après, ça peut être bien aussi si t'as un ennemi qui pop proche de toi. Que j'ai pas forcément vu, et du coup, toi qui vois Gul, hein. Tu me dis 2, je mets 2, tu me dis 1, je mets 1. C'est ton perso, c'est toi qui décides. Surtout à cause de l'odeur. Deux, ok, bon, mais deux alors. Voilà. Ensuite, Fabi, bon, n'étant pas là, je vais choisir. Ouais, bah, comme ça, il est soigneur. Et le plaisir, si tu es là, bah, toque pas deux fois, puisque bah, tu vas sniper. Voilà, bravo, félicitations. Ça va être compliqué d'avoir Gul et plaisir en même temps. Faudra alterner dans ces cas-là. Alors, on va faire un petit point sur les soldats. Alors, qui c'est qu'on a déjà? On a Shalta, on a la cerise alias Cobra, on a Hansa, on a Cookie, on a Fabi, le plaisir et Gulivec qui sont blessés 4 ici. Aucun.
Et on a Cobra et Gunna qui ont une médaille. Le plaisir, normalement, il devrait me rester une médaille, je crois. Et c'est ça, décerné à le plaisir, parce que le mérite, voilà. L'autre c'est quoi? Medikit. Eh bah tiens, on va la décerner à Fabi. Qui est en vacances. Bah voilà. Et voilà. Ça c'est fait. Voilà. Ingénierie, installation, on en est où? On va creuser ici. Pas ici du tout. Les spots, le plaisir, les spots. J'aime ça, tira loin. Ah, on peut gagner un soldat supplémentaire dans notre escouade. Ça c'est quoi? Montrer l'exemple, le chef des quads échange sa propre volonté contre celle de ses hommes à proximité lorsque l'heure est moins élevée. Ça c'est bien. Mais on va faire escouade 1, parce que comme ça permettrait d'avoir 5 soldats au lieu de 4. Ça c'est bon. Bon, j'ai plus de sous. Alors il me semble normalement de mémoire l'accès au marché gris. Marché gris c'est bien parce qu'on va pouvoir vendre tout ce qui est endommagé. Ça n'a aucune valeur. Et donc on peut revendre. On va garder. Là aussi, Valen va faire un caca nerveux. De formation, est-ce qu'on peut débloquer autre chose? Guérison, travail de pro, plus 25, expérience, 25, avec éliminer. Ça peut être bien. Les réunions, ça peut être bien aussi. C'est combien? 153. On va faire ça, je crois pas beaucoup de sous. On va essayer d'économiser un petit peu. Voilà. Liste des soldats. Ok. Cookie. Je pense que. Voilà. Et du coup, comme j'avais dit tout à l'heure, ça a été la dernière émission pour ce soir. Donc sur ce, voilà. Hein, on va mettre 4, je crois. Oui, le talent. Sur ce, je vous remercie d'être tous venus, d'avoir participé sur le chat, d'avoir été sympa ou pas. J'espère que cela vous aura plu. Moi je me suis bien amusé. N'oubliez pas, demain, normalement, Gulevec sur Hellblade, si je ne me trompe pas, probablement en soirée. Je ne sais pas quand, probablement la semaine prochaine, on verra. Sur du XCOM, je verrai. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à bientôt, passez. Bon week-end, à demain pour ceux qui seront là, et des bisous tout plein. À bientôt!